Bon, comme je disais la dernière fois, je sais pas si j'avais enregistré cette partie. Alors, on va finir la AWS là, puis on va prendre une petite pause, puis on va switcher à GitLab, Jenkins, puis l'intégration avec Docker. Ça avance bien mes trucs, fait que on va en profiter pour faire un transfert de connaissances là-dessus. Fait que prochaine séance sur GitLab. Donc, ceci étant dit. Donc là, la dernière fois, on avait vu, je m'étais dépêché pour montrer rapidement avec le Ansible. Là, je vais, pour économiser les coûts, j'ai arrêté mes instances. Donc, pour rappel, on va finaliser ça. Le serveur web qui contiendra un Docker avec deux serveurs de BD, les deux avec des containers. Et on a fait un subnet, ça on l'avait déjà créé la dernière fois. On a créé les deux subnets et on a mis les firewalls entre les deux. Puis on avait défini les security groups. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ça part de là. Donc là, je vais juste recréer mes instances. Instance. Oups, j'ai choisi un Suse. Excusez, je suis allé un peu, ouais, ça, je suis allé un peu vite. Hey, pourquoi Suse, il est remonté? Ouais, je sais pas. En tout cas, on va le laisser en micro parce que j'ai pas besoin de plus. Je choisis d'abord mon frontal, donc mon subnet de manière adéquate. Par défaut, il va assigner une adresse IP publique, une seule. Je vais le mettre shutdown qui s'éteigne parce que je veux pas, je veux juste m'assurer que j'aurai pas de coût en plus si j'oublie de la détruire. Du geek, ça va être bon pour le moment. Je définis un tag. Comme toujours, le tag, c'est vraiment pour une question de après pouvoir refaire des associations de pourquoi j'ai démarré les instances. Ici, je vais choisir celui-là qu'on avait défini. Situé à page des mauvais PC, probablement. S'il y a le mauvais PC, ça va être là-dedans. 80-22, parfait. Review launch, parfait. Je vais choisir celle qui a AWS Ring, pas de clé, et j'acknowledge que j'ai bien la clé privée. Ça, on l'avait déjà fait la dernière fois. Je retourne là et je vais créer maintenant mes deux instances pour la base de données. Parfait, c'est en cours. Presque la même chose. J'en mets deux. Ici, je vais définir BD Subnet. Par défaut, il est disable. Je vais l'activer parce que, comme j'avais dit, si je ne mets pas d'adresse IP, j'en ai pas du tout, même en sortie. Donc, là, je vais pouvoir me connecter. Il faudrait faire un NAT gateway pour pouvoir avoir au moins les communications en sortie. Mais bon, je n'ai pas encore monté en compétence là-dessus. 10 gigs, ça va être parfait. Mon petit rôle. Ouais, tout ça devrait être fait par Ansible, mais ça sent bien. Chose à la fois. Et BD démo. Hop. Parfait. 22 33 06. 06. Ok. Donc, là, je vais avoir mes instances, ces deux, qui sont en train de démarrer. Et ici qui sont en train de partir. On va reprendre là. Ce que je vais mettre en place, c'est le système. Attends, ça c'est les instances. Excusez, je suis remonté un peu trop haut. Ce qu'on va mettre en place, c'est le système du journal du flux. C'est vraiment là-dessus que je voulais travailler à l'origine, qui nous permet en fait de visualiser le trafic qui passe. Donc en fait, quand on a un problème réseau après, ben, d'autres mots, c'est pouvoir faire un TCP dump pour visualiser est-ce que le trafic il est passé, est-ce qu'il a été accepté, est-ce qu'il a été refusé. Donc on peut faire de la corrélation là-dessus. Comme je faisais mention, la problématique, c'est que ça prend 10 à 15 minutes pour que ça soit actif une fois que tu crées le journal de flux. Donc, malheureusement, ça ne peut pas être à la volée. Donc, c'est un petit inconvénient. Donc, moi, pour les subnets, j'ai déjà les journaux de flux qui sont créés. Donc, on ne sera pas obligé d'attendre 10-15 minutes, bien que on va voir peut-être que ça va fonctionner tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai eu quelques problématiques, comme je disais, vu qu'il y a un certain délai pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si c'était un requis. En tout cas, j'ai vraiment bidouillé pour que ça marche à la fin. Par contre, je pense que j'ai trouvé une recette adéquate.
Comme je disais, tout ce que les switches ou les firewalls vont capter comme trafic, ça c'est en fait mettre en place le captage, c'est gratuit, mais quand il envoie les données, il va l'envoyer au système de CloudWatch, qui est aussi le système de monitoring et de crunching des logs. Et les data qui sont stockées dans CloudWatch, ça, il y a des coûts qui sont reliés. Je ne sais pas si j'ai mis le pricing. Oh, vous regarderez. Donc, première des choses que je vais faire, si on va, je vais aller dans CloudWatch. Je vais mettre un groupe de logs. En fait. Vous voyez, hein, j'en ai fait des tests. Hein. Avant que ça marche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe de logs et après, je vais associer pour dire envoie tes logs à ce groupe. Donc, un démo réel, mettons. Je me suis rendu compte que, et je ne sais pas quand je dis, quand ça a bien marché, j'ai créé le groupe avant de faire la définition des journaux de log. Parce que quand tu fais le journal log, tu lui dis envoie-le dans le groupe. Donc, je ne sais pas, dans la littérature, ce n'était pas écrit que c'était obligé d'être avant, mais bon, après, quand ça ne marchait pas, puis vu le délai que ça prend, ça peut-être ça huile peut-être le flux là, pour que ça marche mieux. Donc, je vais vous conseiller de le faire. Ouais, c'est ça. Ça semble fonctionner quand tu le fais après, cependant, blablabla. Je vais créer des journaux de flux. En fait, les journaux de flux réseau peuvent être à plusieurs niveaux. Si je reprends le schéma, je peux mettre un journal de flux sur le firewall, donc où le trafic y passe, ou je peux aussi le mettre sur l'interface de l'instance. Donc ça, c'est intéressant pour voir, OK, c'est bien passé là, mais c'est pas arrivé là, pourquoi? Donc, de faire la corrélation comme ça. Donc là, je le fais sous le réseau. Ouais, VPC, mais je sais pas pourquoi j'ai mis SomeNet, mais c'est pas grave. Donc, VPC. Je vais choisir mon SomeNet. Donc, celui-là que je vais vouloir avoir, mettons que si je le mets sur le frontal, FlowLog. Et là, donc, test création avant, SomeNet test. Vous voyez, je vais aussi avoir la même chose pour les BD, là. Somnet logs aussi, j'ai mis. Donc, je vais en créer un là, ça a un peu d'importance. Create log. On va définir, donc ça c'est pour le somnet, je vais définir qu'est-ce que je vais vouloir récupérer dans mon filtre, to, accept ou reject. Le rôle. Alors là, c'est, vous voyez, là on voit un rôle qui est présent. Si vous n'avez pas encore créé de rôle à l'intérieur, il suffit juste de créer ici Setup Permission. On va juste y aller. Je ne vais pas le créer, mais là j'ai cliqué dessus. Create a new role et View Policy. Je vais pas faire Save, mais ça c'est comment les règles sont écrites pour donner des permissions à une ressource dans Amazon vers une autre ressource. OK? Donc, c'est du JSON. Donc, ça va nous permettre de faire la définition, de dire que quand je vais l'ajouter, je vais retourner sur ici, ce oh, ça, je savais pas, je pouvais faire ça. FlowLog aura les permissions qui sont de ici action de créer un log de groupe, etc. Des choix de pusher les logs. Ça va, donc l'effet c'est de permettre et les ressources. Là j'ai mis en fait c'est ce qu'ils te mettent par défaut, mais tu peux vraiment y aller granulairement de dire vers la ressource du CloudWatch dans tel log group où il peut avoir accès. C'est les permissions qu'ils appellent IAM, je ne sais plus, Access Management, Infrastructure Access Management. Ah ouais, je ne sais plus l'acronyme. Mais c'est ça. En fait, puis c'est le même système de nomenclature de règles qui est utilisé pour dire cet utilisateur-là peut créer des snapshots, peut créer des machins, des ressources. Donc c'est vraiment
la nomenclature des ACL sous Amazon pour allouer des ressources, que la ressource soit un utilisateur ou un équipement qu'il utilise. Comme je dis, l'avantage ici, c'est que quand tu fais setup permission, c'est ce que j'ai fait, ben il te fait directement toute la rédaction qu'il faut, puis tu cliques allô, puis c'est fini. Attends, on n'en parle plus. Donc au moins ils ont pré-mâché, mais il y a vraiment un beau travail qui est possible de faire pour y aller de manière granulaire. Comme moi j'en ai déjà, je vais juste mettre le même. Paf. Et voilà. On voit ici, hein, il a rajouté au bout du rôle. Et je peux dire la destination du log. Je peux mettre des mots real pour envoyer. Create log. Donc là, il m'a rajouté. Donc là, je vais garder celui-là parce que lui, je sais que vu avec la date, je suis sûr que j'aurai déjà du data qui sera envoyé. Je ne serai pas obligé d'attendre 10 à 15 minutes. C'est pour ça que je le laisse. Voilà, donc ça c'était les permissions que j'expliquais, l'explication des permissions, tac tac tac. Et là on va aussi voir pour la création sur l'interface. Ben, ça il marchera probablement pas parce que là ça prend aussi un petit peu de temps. EC2. Je vais aller choisir mon interface. Et là, status check, s'appelant. Network Interface, ETH0, Interface ID, paf. Donc là, j'ai le nom de l'interface. Là, si je l'enlève, c'était 46A. Okay. Donc là, j'ai toutes mes interfaces qui sont là, qui sont associées avec les noms des machines, avec le subnet. Et ici, si je prends par exemple le BD, si je fais flow log, je vais voir celles qui sont héritées du subnet et je peux en rajouter une pour la machine en lui-même. Donc je vois l'héritage qui découle en fait. Donc la même chose, tac tac tac, le rôle, je vais mettre, puis je pourrais l'envoyer vers le demo real aussi. Donc ça c'est vraiment pour l'interface. On va le faire, rendu là. Ça, c'est fait. Et là, on va pouvoir faire la configuration des instances. Donc là, je vais reprendre mon super Ansible. Cette fois-ci, il devrait marcher du premier coup. Vous y croyez pas, hein? C'est pas grave. Je vais modifier mes hosts. C'était où? Instance. Parfait. Après, je copie ma clé. Oups, c'est pas grave. C'est, sauf que c'est, je vais faire tout de suite le fixe. Parfait, j'ai mis la bonne. Je vais dans ce répertoire-là. Oui. Ah oui, attends. Ah, et ben, extra Ansible, du smokepad qui est pas bon. Parfait. Et là, je peins mon container et en lui disant roule le playbook qui est là. Vous voyez, petit dièse en avant, je valide ma commande. Parce que tu sais, quand tu pastes, hein, parfois ça comme peut se lancer tout seul. J'enlève le dièse et je me dis que ça va super bien marcher du premier coup cette fois-ci. Ah oui, j'ai pas d'accord de démarrer. Ça marche là, c'est juste. Là, je suis pas sudo avec cet utilisateur. Start. Ah, vu que c'est sur le laptop, je démarre pas le docker. Parce que ça gobe pas mal plus de ressources au niveau de ma batterie. Là. Puis vu que je fais plus du Python en ce moment dans le train, j'ai pas nécessairement toujours besoin du docker. Parfait. Uhou.
Magie. Donc là, c'est au moins, c'est en train de faire le déploiement. J'avais bien fait de faire un dry run la dernière fois, là, pour que ça soit plus fluide. Parfait. Donc là, magie. Pourquoi je faisais... Ah, ok, là, je fais les copies. Ok, je fais les copies de mes containers, là, qui vont être là. Ok, je vais... Hop. On va attendre que ça soit fini. Donc là, grosso modo, tout ce qu'il fait, c'est l'installation du Docker sur les trois machines en même temps. Puis il s'assure que mon usager EC2 user est bien dans le groupe Docker. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mes fichiers de Docker Compose sur les différentes machines là, que j'ai déjà divisées. Puis après, je vais faire un Docker Hub du Apache. L'ABD, puis de mes deux serveurs de BD. Là, il me manque une petite partie où je devrais normalement modifier les adresses IP dans le Docker Compose. Donc, il va falloir que je le fasse en amont. Ok, cool. Parfait, ça a bien marché. Je vais revenir. J'ai dit c'était dans quoi? Apache. Apache. Parfait, j'ai mon Docker Compose qui est là. Je vais juste changer l'adresse IP. Oh, j'aurais pu le faire à l'arrivée aussi, là. Je vais juste regarder parce que là, juste vu que j'utilise deux machines distinctes au niveau du Docker, je vais juste utiliser l'adresse IP publique, ben, public interne. BD 50-20 55. Parfait. Vous voyez, si je vais utiliser les adresses IP à l'interne, pas les adresses IP externes. Donc on va dire que le 55, ça va être la première. Pif. Et le 50-20, ça va être pour le contact. C'est bon? Et là, je vais faire un SCP. .ssh aws no pour avoir la clé privée du Docker Compose aws vers EC2 user at le front. Donc ça c'est bien le Apache front qui est là. Et je vais mettre l'adresse IP. Yes. Parfait. Tout de suite faire celle des BD aussi. Ça le BD, puis je pense qu'il n'y avait rien dedans, il y avait juste ce mot de passe. Donc il n'y a pas de connexion vu que lui il fait juste recevoir. SCP. Donc on a dit AWSP vers. On a dit c'était le point 5, fait que point 5 c'est lui. Adresse IP, paf. Je vous dis, j'ai fait un truc trop compliqué que c'était pas pertinent, mais bon. Une fois que je t'ai rendu là. Contact. Et je mets l'adresse IP publique. Ça aussi, ça aurait pu être dans un symbole. Ah, well, c'est comme ça. Parfait. Et là, je vais me connecter sur chacune des instances pour pouvoir faire le Docker Hub. Donc, c'est ça. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on remarque là? Je ne suis pas anti-mox. Ok. C'est ça. Ah, là, j'ai perdu mon historique. Oui. Ok, je vais juste démarrer un autre avec Timax. Je veux juste avoir mon historique pour le moment. Donc, je vais me connecter sur le serveur serveur de BDP. Excusez. Je suis pas dans le bon repère, non.
SH moins I, ah ouais, c'est que. Ouais, c'est ça. Excusez. Parfait. On va le splitter. Là, on va se connecter aussi sur l'autre machine. 167. Parfait. Donc là, j'ai les deux serveurs de BD. Puis je vais prendre un autre pour. Pour le web. Ça vous va? Oui, il n'a pas pris. Premier coup. C'était lui. Parfait. Ah ouais, mais non, en tout cas, c'est pas grave. Donc, Docker PS, il n'y a rien qui roule. Là, je suis sur le serveur web. Je fais un Docker Compose Up. Je vais le mettre en background. Ça va être mieux. Ah oui, excusez. Je pense avec moins F, je peux lui donner le nom du fichier. Hop. Là, il récupère mon image qui est sur Docker Hub, que j'ai mis directement. C'était plus facile pour récupérer. Je vais faire la même chose ici. Docker PS. Parfait. Je fais un move Docker. Pour docker-compose.xml. Parfait. Et docker-compose-up. Mettre en background ici. On va enlever la synchronisation. Donc là, il récupère mes containers pour mes deux machines. Pour les Apache. Et là, docker-ps. J'ai bien mon serveur web qui est en exécution. Je vais valider que ça marche. Host Vim. Je passe avec mon autre utilisateur. Parce que lui, il n'a pas le droit. Il n'a pas les droits sudo. Parfait. Et là, je vais donc changer l'adresse IP ici pour celle qui est maintenant de mon serveur web. 5214. Point. Et hop. Ok. 4. Ping. Ping. Ah ouais, mais l'adresse IP n'est pas bonne. Que j'ai fait moi. C'est pareil hein, que j'ai pas eu le temps de manger. 43. Ah. Ok, j'ai pas. C'est ça qu'il faut que j'enlève. 52, 14, 58, 43. Désolé. Ok, parfait. Puis c'est bon. Oups, je vais remettre le sync. Docker PS, c'est bon aussi. Et là, ce qu'il faudrait juste, c'est. Là, j'aurais dû le mettre à l'intérieur de mon container. Là, mais je vais juste mettre sur pi, je vais mettre 2-3. Je vais créer la table, puis mettre 2-3 valeurs. C'est long hein, quand tu fais tout ça. Oups. Ouais. Ah. Pas MySQL. Ah non, c'est vrai. Hein. Docker exec IT. Shopping. Bash. Ouais. Moins U, moins P. Database moins U.
moins U. Ouais, c'est bon. Moins U P user moins P 3,14. P user MySQL P ouais, c'est bon. Ah, merci. Ah, putain, là, c'était bien USR. Ok. Use P. Oh, ok, c'est pas grave. Create database, tac tac tac. Ah, ça, ça m'énerve. Mon paste, il marche pas. Okay. Non, c'est bon. Il va marcher. Parfait. Commit, je pense pas que c'est requis, mais. Commit, parfait. Désolé du délai, j'aurais dû le mettre dans le container, mais bon. Voilà. Exec, IT. Je fais plein de temps avec Bash. Parfait. Et là, c'est grosso modo la même chose. Là, ça va pas marcher là non plus. Là. Ah non, pas du tout. Use people. Ah, là, j'ai pas fait use. Je sais pas si ça va marcher. Bon. Commit. Parfait. Et maintenant, si je vais sur l'URL. Il y a un Barracuda qui fait la validation à Web Filtering, qui fait la validation avant pour confirmer que le nom DNS fonctionne bien, alors que je l'ai mis moi-même dans mon hostname. Ça ne sera point long. Oui, ma réalité n'est pas la même quand je suis dans le train. Ouais, ça, je suis en train de faire. Hop. Je vais perdre toutes mes connexions, c'est pas grave. C'est une impose sur le cachet de certaines compagnies. Je sais pas là. Non, mais. Excusez, je vais. Là, ce que je veux juste, c'est. Ah oui, je vais débrancher. Hop. Parfait. Donc là. Là, j'ai dû perdre toutes mes connexions vu que je viens de changer de réseau. Hein? Non, je suis passé en hotspot. Ouais, je pense qu'il y a priorisé. Ouais, je vais switcher. Hop! Je vais juste passer sur mon téléphone. Ah oui, c'est pas avec ce. Cet utilisateur que j'y vais d'habitude. Ok. Ça ne sera pas long. Bon, je ferai pas l'édition de la vidéo, hein, mais ça a marché du premier coup. Là. Donc là, ça cherche. Là, on va se demander pourquoi ça cherche. Et je vais faire la même opération, mais cette fois-ci avec Show Contact. Je vais l'ouvrir dans un autre. Parfait. Donc là, ça cherche. Donc là, ça cherche encore. On va regarder maintenant. Là, j'ai dû récupérer ma connexion. Ben non, hein, tant qu'à faire. Je la réinitialise. Donc, Docker Logs, je peux visualiser. Les logs, normalement, je devrais voir. Foreground. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas de trafic qui arrive? Ce n'est pas grave. Nous allons donc pouvoir voir. L'objectif, c'était de voir le réseau. Hein, c'était ça l'objectif. Là, je bidouille pour que ça marche. Donc, si nous regardons à l'intérieur des logs, je ne sais plus c'était lequel. VPC, je vais juste regarder ici. VPC. On va regarder les subnets. Subnet frontal.
Viewlog et test avant création. Je pense que c'est lui qui marche bien. Last event, on est bien le 27, ça tombe bien, midi 35. Je vais cliquer. Et là, en fait, ça nous permet de visualiser les logs qui sont arrivés. Là, je vais mettre depuis les 5 dernières minutes. Ah, là, j'en ai pas. 30 dernières secondes. Oh. Tout ça, c'est vieux. Mais alors, pourquoi il me dit qu'il avait du data? Oh, c'est la 27. Loading hold. Donc, le truc plus récent est en bas. Quoi? Ouais, mais là, je sais pas si c'est en UTC, toi. Oui, mais c'est UTC 35. Quand même, il est rendu à 43. 43, ouais, j'ai déjà rendu. 5, lamnet, subnet logs. 24, ouais, j'ai quand même du trafic qui passe. Point, 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 point. 204. Je vais juste regarder c'est quoi mon niveau. Ah, ok, bon, en fait il m'a répondu, mais il a fait le connection timeout avec la base de données. Ici aussi. En essayant de sortir. Donc la connexion. Si on regarde, on va le refaire. Sunnet all. Là c'est juste le accept. Je vais regarder c'est quoi mon adresse IP. Donc 24 114, parfait. Mais tu sais, quand je te dis c'est pas du real time, fait que c'est ça qui est un petit peu ennuyant. Donc là tu peux faire une recherche avec 24 points 114 103 114 195, ainsi. Enter. Là, il a rien trouvé, donc ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il me le donne. Et pourquoi là je m'étais attendu à ce qu'il y ait une erreur de communication. On peut regarder aussi sur le subnet de BD. Demo active all. Je vais juste cliquer là. 24, tu vois, j'ai toujours un certain délai. Puis en fait, tu vois, c'est ça qui n'est pas super évident, c'est qu'il y en a un où c'est l'interface, puis il y a l'autre où c'est le subnet. Donc les noms des interfaces sont pas super significatifs. Parfait. Et en fait, si on regarde, on voit quand même la communication qui est arrivée, 50-20, non ça c'est la machine. Je devrais voir quand même la communication sur le port 3306 qui devrait arriver. 3306, et comme on voit ici, elle a été rejetée. Donc la machine 60-28, excusez, a essayé de communiquer avec le 20. Et j'ai eu un reject sur la communication. Là, tu te dis, tu vas faire un expand pour mieux voir. C'est cela. C'est tombé un petit peu. Là, c'est pas si mal parce que le 3306, il n'est pas ailleurs. Mais pour faire l'ensemble du système de filtrage, vous l'avez ici, non? Là, ici, ce que j'ai mis, c'est que j'ai pris un exemple de ligne et avec les différentes descriptions par colonne, parce que tu peux pas... Donc, ça, c'est le ID du compte, le nom de l'interface, l'adresse IP source, destination, le port source, le port de destination, le protocole, donc là, il faut que tu ailles chercher le numéro, ici, c'est du TCP pour le 6... le nombre de paquets transférés, le nombre d'octets, et ça c'est quoi l'autre? Le début et la fin, ça, le timestamp en fait. Et le statut qui a été rejeté. Là on est. Moi je. Bon, là je l'ai mis par. Là j'aurais dû vous montrer ici.
Là, moi, je lisais des gens qui s'excitaient là-dessus, puis disant comme quoi il y avait beaucoup d'organisations qui voulaient ça. En l'occurrence, les gens ont pas Splunk, parce que, je veux dire, on est loin de la qualité de Splunk là-dessus. Là, si je fais une recherche sur 80, par exemple, ben là, moi, ce que je voulais avoir, c'était la destination ou la source pour le port 80. Ben là, je suis quand même vraiment fourré. Mais il y a possibilité de faire un système de filtrage. Je vais prendre ça. Donc, si je voulais faire le filtrage, paf, pif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini les différentes versions. Ici, je peux mettre n'importe quoi comme nom, mais l'important, c'est la virgule qui est le commun, le séparateur. Et si je mets 80 ici, je devrais avoir que des règles qui fitent avec le port 80 qui ont été là. Mais ici, quand je dis, j'ai identifié cette colonne comme point de destination, mais si j'avais mis Toto, ben ça marche aussi bien là. Je veux dire, c'est juste vraiment la séparation. On s'entend que parfois, tu n'as pas envie de tout définir le reste. Donc ici, si je m'en fous de ce qu'il y a à la fin, je me rappelle bien, c'est point, point, point. Puis ça devrait me le donner quand même. Pour dire comme quoi, ben, les autres colonnes, je ne les prends pas en considération. C'est ça. Donc c'est ça que j'ai fait l'exemple ici. Donc si on voulait corriger la problématique de communication, donc on voit que ça avait été refusé. Combien il me reste? 48. Allez, ça devrait le faire. Somnet, tac tac tac, l'ACL. Et ici, ouais, bah c'est ça, j'avais fait pour faire l'exemple, la démonstration, j'avais mis un denied. Et qui était pourtant. Puis ici, j'avais mis un 0 slash 31. Donc le slash 31, c'est beaucoup trop petit. Là, si on fait un PK, ça donne 3 adresses IP, je pense. 2, hein. C'est sûr que je n'étais pas dans le subnet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer. Le subnet. Je vais éditer ça, inbound, edit, et je vais mettre slash 127 qu'on avait dit, je pense, si mes souvenirs sont bons. Pif, c'est-tu ça là? C'est 60 pour les adresses IP externes? Je dois encore avoir le diagramme ici, 60, ah, le frontal, je veux dire. Je vais sauvegarder. Et maintenant, si j'y retourne, j'espère que ça marche. Ça time out encore. T'avais pas des minutes de 10? Comment? T'avais pas des minutes de 10, 50, 40 au lieu de. Ouais, mais slash 27, je devrais avoir une couverture assez bonne. Ah non, c'est de 1 à 30. Et la machine frontale, elle est à. 150. Je sais pas, on va vérifier. Running. C'était elle. Ah non, mais regarde, c'est 60-28. Et ce que j'ai autorisé, c'est 60-27. Qui devrait passer. Ah, c'est sûr que ça se teste bien. On pourrait toujours faire un telnet depuis le serveur web. Telnet. Ah, j'ai mis quoi quand même? Un compose. Telnet. Ça. 3306. On va l'installer quand même. On l'installe. Juste pour que ça soit là. Et donc ça devrait passer là. Le paquet de retour, il devrait être bon. Je vais regarder justement le outbound, all traffic denied, TCP, les ports dynamiques devraient passer. Donc je vais aller vérifier sur l'interface de la machine. Ce serait bien que ça marche quand même avant qu'on ferme le dossier, mais au pire. Ça sera pas grave. Security group, démo, ouais, mais j'avais mis. Ah, j'aurais pu faire view direct. Inbound, je pense que j'avais mis all de toute manière. Ouais, mais c'est ça qui est pas bon. J'accepte qu'ils viennent de 50-27 alors que l'adresse IP c'est 60.
Par contre, au niveau du CloudWatch, ça voudrait dire que le 3306, maintenant, là, il était à reject, donc hein, 6028 vers le 20. Je devrais l'avoir en accept maintenant. Je pense que le nom du groupe doit être un peu plus significatif pour savoir s'il accepte. Non, normalement j'ai le accept qui devrait être là. Je vais regarder en bas. 3306. Ah, le problème, c'est vraiment que c'est pas live, quoi. Parce qu'on voit bien le reject, mais là, je vais avoir un délai avant de le voir. Bon, au moins, on a identifié la problématique, mais clairement, c'est pas l'idéal. 60. Hop. Ah, c'est ça. Ouais, peut-être que si j'avais le cloud ultimate machin, là, peut-être que là, à ce moment-là, j'aurais peut-être aux minutes, là, comme pour le monitoring. Ouais, là, ça marche. Hop. Yeah, du premier coup. Non, mais je savais que je m'étais laissé des erreurs à l'intérieur, mais. Ouais, c'est ça, je me rappelais plus où. Et je pensais que j'aurais une visibilité plus rapide. Reject, reject, reject. Donc, tu vois, mais pourtant, ça c'était sur le subnet normalement. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai le délai. Maintenant, il me laisse ça. Non, c'est toujours les mêmes deux reject. Là, ça c'est pas. Ça n'a pas rapport. C'est avec le 30. Ah, si j'ai enlevé le 6, c'est pour ça. Ok, de quoi s'amuser quand même. Voilà, bah, quand je dis, hein, je m'entends compétence aussi là-dessus, fait que c'était pour faire une démonstration. Donc, hein, beaucoup de plaisir à avoir. Je vais éteindre mes machines. Vidéo alt. Okay. Et. Terminate. Donc, prochaine session à GitLab. Et on embarquera un peu avec Jenkins aussi. All right.